Ici les Franco-Reporters. On a créé un groupe qui s'appelle KD Bostani pour représenter toute la culture KD Bostanienne autour du monde. Donc voilà, ça c'est le concept de base. Je suis le président de cette république. Amina est une diva très connue dans ce pays. Qu'est-ce qui est important pour nous pour écrire? J'ai froid. Non, je suis extrêmement concentrée. Ce qui est important pour écrire... J'ai perdu le président. Ce qui est important pour nous pour écrire, c'est de se laisser en fait inspirer par tout et de ne pas avoir de limites. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, je vais écrire une chanson sur cette baie de La Rochelle. Dieu seul sait. Mais c'est ça qui est important, j'imagine. Et aussi de trouver quelqu'un avec qui on peut travailler. Et en l'occurrence, je pense que par rapport à cette dynamique-là, on est pas mal. Non, les influences sont hyper variées. En fait, on est vraiment... on écoute de tout. On n'a pas un style de prédilection. Et on fait partie de cette génération de gens qui allons un lundi soir voir un concert de rock, un mardi dans une soirée techno et un mercredi l'opéra de Carmen, quoi. Donc, quelque part, ben, la musique qu'on fait représente toutes ces influences. Et on n'avait pas envie de se mettre des barrières de style, de genre. En fait, on fait de la musique, tout simplement. Et puis, on a trouvé cet intitulé pour le nom de l'album Pop Collection parce qu'il nous permet de C'est un peu un clin d'œil, mais pour nous, la pop, c'est beaucoup plus que de la pop. C'est une musique qui peut être universelle, comprise de tous et à tous âges. Donc, c'est vraiment l'idée de faire une musique qui soit en même temps exigeante et très ouverte. Pour Céline Dion, bien sûr. On est hyper fan de Céline Dion en KD Bostani. Si tu veux, quand t'as un pays, t'as un concept de base et tu développes, et tout naturellement, t'arrives aux uniformes. T'arrives à ce côté un peu martial, poil martial, voilà, mais qui est complètement naturel. Par exemple, en France, vous avez la garde républicaine qui a un certain style, et en KD Bostani, on a notre propre style qui est fait de cuir et en même temps de coupe assez militaire. Et si tu veux, tout est venu quand on a écrit ce concept, quand on a réfléchi à ce concept, quand l'idée nous est venue. Quelque part, tout était complètement... Les bases ont été posées en 15 minutes, quoi. Tu vois, les uniformes, la manière de s'exprimer, la manière de communiquer. Et voilà. Donc, c'est depuis... Ça fait à peu près 6 ans que ce concept nous est venu comme ça, comme par miracle. Et on développe ce concept depuis 6 ou 7 ans, quoi. Bon, en fait, on est obligé de manger une fois par semaine le plat préféré du président. C'est le samosa végétarien. Ne me demandez pas pourquoi et j'ai pas le droit de dire que j'aime pas. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Ah, une devise. Ça, c'est marqué sur... Est-ce que t'as les billets? Est-ce que t'as les billets? Alors, la devise, ça, c'est... Attends. Le signe qui parle, ça. Voilà, parce qu'on va pouvoir te montrer. En fait, on a une monnaie KD Bostanienne. Donc ça, c'est 50 CAD, ce qui fait 60$. Tu ne seras pas étonné de voir l'effigie du président. Et en fait, derrière, il y a un motto qui dit « Research and Discovery ». Parce que la musique, ça se fait de tâtonnement et d'expérience et qu'on en est un peu le résultat. Parce que finalement, on n'a pas fait d'école, on a un petit peu testé. Donc je te donne, parce que tu as fait un bon interview. Merci, c'est gentil. Au bout de 10, tu auras une maison en KD Bostani. C'est la première fois que tu te fais payer pour faire des interviews. Ouais. Et elle accepte et c'est filmé. Donc voilà. Ça commence bien la carrière. Ici les Franco-Reporters.